messieurs. Aujourd'hui, nous sommes à 174 années depuis l'abolition de l'esclavage. Nous voici devant vous, nous, les descendants d'hommes noirs et de colons blancs, des Saint-Martinois, du futur, des jeunes Saint-Martinois qui mettent leur confiance dans la République et à la liberté, à l'égalité et la fraternité, et que tous les hommes sont égaux. Cette liberté me donne le droit de rêver et de devenir ce que je souhaite être. Qui sait si ce jeune homme, aujourd'hui présent devant vous, dans 25 ans, sera le président de la République française, né à Saint-Martin, un Saint-Martinois. C'est ça la liberté! Confirmé le Sénat le 10 mai 2001, la barbarie peut changer de visage et de victime, mais reste une abomination de l'histoire. Tout le sens de cette commémoration, c'est pour moi le refus de l'oubli, le refus de la négation, l'honneur de ceux qui combattent pour la fraternité. Je rêve qu'un jour, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité, disait Martin Luther King dans son célèbre discours « I have a dream ». L'esprit de résistance, celui de Delgrès, celui de Solitude et de tant d'autres, doit nous guider et nous mobiliser face à toutes les formes d'asservissement. Cet asservissement dont parlait Gaston Monnerville, président du Sénat et petit-fils d'esclaves. Je le cite, « L'esclavage des Noirs n'était qu'une des formes de la servitude humaine. Des formes de servitude ont disparu, d'autres sont nées, qui pèsent lourdement sur l'humanité, tant qu'il est vrai que le progrès lui-même crée ces servitudes. Chacune des conquêtes de l'homme tend à s'imposer à lui, à l'asservir. Il importe que ceux qui sont éclairés se dévouent pour le soutenir, pour veiller à ce que sa flamme intérieure ne s'éteigne jamais. Veillons ensemble à ce que cette flamme intérieure qui constitue cet esprit de résistance et éclaire les valeurs universelles ne s'éteigne jamais. Il est de notre devoir de célébrer ce combat pour l'égalité entre les hommes et pour le droit à la liberté. Ce devoir de mémoire nous oblige toutes et tous, non seulement pour que les victimes de ce système barbare ne soient jamais oubliées, mais aussi pour que celles et ceux qui ont consacré leur existence à la lutte pour l'émancipation et au combat contre les horreurs du système esclavagiste restent ancrés en nous. Je pense à Toussaint Louverture, bien sûr. Et j'ai une pensée particulière pour nos frères haïtiens, dont le pays est plongé dans le chaos depuis des mois. Je pense à la mulâtresse Solitude, à Delgrès, à Victor Schœlcher, bien entendu, et à Pérignon, que nous célébrons chaque année à Grand Case. Je pense aussi à toutes les victimes de l'esclavage, considérées pendant des siècles comme des hommes, non comme des hommes, mais comme des marchandises. Avec cette journée de souvenir, nous sommes réunis pour honorer leur mémoire et mesurer le privilège que nous avons à être aujourd'hui un peuple uni et fraternel. La paix est le plus précieux de nos biens. Le respect, la solidarité, la dignité, l'égalité dont nous sommes les héritiers. Tout le monde s'accorde pour se souvenir d'une période sombre de notre histoire collective. À l'image de Lady Liberty qui éclaire ici la voix, tous les récits de cette période doivent interpeller les futures générations et les inviter à rester vigilants sur la fragilité d'un privilège pourtant inaliénable qu'à l'être humain de pouvoir disposer de lui-même la liberté.
C'est de respect alors qu'il faut, en ce jour solennel, parler. Respect pour ces filles et fils de grands peuples d'Afrique qui ont souffert dans leurs âmes et chairs, arrachés à leur terre natale et déportés vers l'inconnu. Respect pour les guerriers qui se sont battus pour leur liberté. Respect pour ces esprits éclairés, philosophes, politiques, femmes ou hommes d'affaires, qui ont devancé et accompagné le sens de l'histoire afin qu'aujourd'hui, nous puissions commémorer une victoire, celle de l'humanisme et des droits de l'homme. Le constat est clair, il n'y a qu'en œuvrant ensemble que le progrès économique et social est possible. Dans ce contexte, c'est un peuple riche et fort qui a vu le jour à Saint-Martin. Entrepreneur, érudit, scientifique, sportif de haut niveau ou politicien et bien plus. Les habitants de Freetown s'activaient bien avant beaucoup de territoires à la conquête de la prospérité et de l'égalité des chances, œuvrant avec un état d'esprit noble et en faisant scintiller leur lumière pour offrir aux autres la possibilité d'en faire autant. Aider à la présentation des personnalités qui sont honorées aujourd'hui. J'invite à présent pupitre Madame la Présidente de la Commission Culture, Madame Valérie Damaso, qui va présenter donc les biographies des 6 personnes qui sont honorées aujourd'hui. Please welcome Ms. Valérie Damaso, Chairlady of the Culture Committee. Aujourd'hui, à l'occasion du 174e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à Saint-Martin, nous avons choisi d'honorer ces femmes et ces hommes pour leur contribution. Nous célébrons la liberté qui a permis leur créativité, qui leur a donné le choix, qui a donné naissance à l'âme de notre territoire. Nous célébrons l'identité saint-martinoise. This year, we have chosen the theme, Years After Emancipation, the Making of a Country. We no longer want to weep in what was, but to celebrate as we continue to strive for the success of those that helped shape Saint-Martin. Tout le temps qu'ils ne disposaient pas de leur liberté, nos ancêtres ont imaginé d'autres possibles. La liberté est importante pour la créativité et l'évolution. La proclamation de leur liberté, tant attendue le 28 mai 1848, s'est manifestée au travers de leurs chants et de leurs danses. Ils pouvaient enfin s'exprimer librement leur joie, leurs ressentis. Ils n'avaient plus besoin de se cacher, de se retenir et d'avoir peur. This explosion of joy is reflected in a Panam dance, which is actually the dance of freedom, the dance of emancipation. It was finally possible to dance with your whole body, arms, legs, head, hips, hands, face, teeth, eyes. It was no longer necessary to imitate the rigid, constrained ballroom dances of the masters that left no room for frenzy. If today we know the Panam dance, we owe it to Mrs. Lois Bailey Inez, known to all as Tantanez. She considered it useful and necessary to ensure that the Panam remained among us. So while she still could, she explained how this dance was a representation of freedom in the DNA of St. Martinus. As a result, today the Panam dance is part of our cultural heritage. Our cultural heritage is also music, the one that borrowed from several music genders, from Creole, Papiamento rhythms, from territories where people spoke French, English, Spanish. The music alone reflects the diversity that characterizes St. Martin so well. The music and the accents that these musicians give to these songs. You may be seated, thank you.